puissant, merci. Merci de ce que tu es avec nous. Merci de ce que tu es là. Merci, bienvenue à l'Église des Nations, à Gatineau. Pour ceux qui sont ici en présence et pour tous ceux qui nous suivent sur Facebook Live, que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec nous tous. Ouvrons nos cœurs ce matin. Ouvrons nos cœurs parce que nous sommes dans la présence de notre Père. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te remercions. Ce moment précieux que nous sommes devant toi, nous te prions à ce que tu parles à nos cœurs. Tu leur donnes un cœur ouvert pour recevoir ta bénédiction, pour recevoir ta grâce, pour recevoir ta parole. Que ta parole, Seigneur, pénètre dedans de nos cœurs, du cœur de chacun qui nous suit, que ce soit à la maison, que ce soit ici en présence. Parle-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, et félicitations. Jamais je n'ai rien à craindre.
Nous avons besoin
Tout contre toi, entendre ton cœur.
ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui se dit plus je te cherche, je ne te découvre pas, j'ai l'impression que c'est vide autour de moi, c'est, j'arrive pas, malgré tous les efforts que je fais, je n'arrive pas à saisir cet amour-là que tu as pour moi. J'aimerais juste inviter cette personne ou ces personnes à juste dire. Le Seigneur, il est présent. C'est pas parce que on ne sent rien que Dieu n'est pas présent. Mais Dieu, il est présent comme notre Père. Et tu vas choisir de faire ce pas de foi là, de dire. Même si j'ai l'impression de ne pas croire, ou j'ai l'impression que c'est dur, je ne comprends pas, Seigneur, je veux choisir de comprendre, je veux choisir d'accueillir cet amour. Tu peux crier à Dieu, tu peux dire, Seigneur, je ne te vois pas, où es-tu? Parce que tu dis que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Alors je sais que je peux te trouver. Et je veux te trouver aujourd'hui. Ce n'est pas demain, aujourd'hui. Et s'il y a une personne qui se sent qui a ce sentiment-là, vous pouvez juste peut-être lever la main pour qu'on prie pour vous, je ne sais pas, mais... est-ce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être dans ce sentiment-là, je ne sais pas trop. Votre frère Denis. Le Seigneur est proche. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il est là. Veulent imposer. Et ce matin, le Seigneur veut te dire,
Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et Dieu va te donner la sagesse. Et lorsque tu vas parler, les gens vont savoir ce que tu dis là. Il y a de l'intelligence, il y a la sagesse dans ce que tu dis. Donc ouvre-toi au Seigneur, ouvre-toi aux personnes même qui te sont, qui t'ont blessé. Seigneur, que tu puisses apporter la guérison et que personne, Seigneur, ne soit timide, Seigneur, lorsqu'il se retrouve, Seigneur, avec les autres. Quand tu nous as donné un esprit de force, Seigneur, pour proclamer, Seigneur, ta bonté et ta grandeur. Merci, Jésus. J'ai moi également à cœur de lire dans Ésaïe le 41, du verset 8 au verset 10. Alors j'aimerais que peut-être tu le remplaces par ton nom. Mais toi, Yves, je vais dire Yves, mais toi tu peux le remplacer par ton nom. Bola, Vikian, Espérance. Je choisis, mais toi, mon serviteur, Joshua, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui je dis, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est notre voix de dire à notre Père, montre-moi à quel point tu m'aimes, Seigneur. Ouvre mes yeux pour que je voie cette semaine tes gestes d'amour, parce que c'est toi qui m'as choisi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mon épouse, quand il lui arrive de me dire, non, je veux que tu me montres que tu m'aimes en acte vraiment là. Et c'est notre devoir, c'est notre droit aussi de dire à notre Père, tu m'as choisi. Je veux que tu me montres combien tu m'aimes. Je veux voir, Seigneur, je veux te sentir, je veux sentir ton amour, je veux sentir ton souffle sous mon cou ou dans mon oreille, me murmurer à quel point je suis précieux, combien je suis précieuse à tes yeux. On va encore chanter ce verset-là et crions notre cœur à Dieu. Il nous a choisis, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Et disons-lui, nous avons soif de voir cet amour-là et de le vivre. Amen. Plus que je ne comprends.
aujourd'hui c'est le 1er août. Donc je voudrais qu'on prenne le temps ensemble de bénir le Seigneur, de rendre grâce à Dieu pour les 7 mois qui se sont écoulés. L'Éternel nous a protégés, nous a gardés. Moi, durant les 7 mois là, j'ai perdu un de mes oncles. Il était allé à un deuil. Il revenait de l'enterrement. Il a fait l'accident. Il est décédé sur le coup. Et il avait dit à sa femme et ses enfants, j'arrive, je vais juste. Donc, je réalise à quel point la vie est fragile. Quand on a montré son corps après l'accident, vraiment, tout était bien à son visage. C'est vraiment quelqu'un en forme, quelqu'un en santé, qui s'est levé le matin, qui a dit, j'arrive, je reviens dans quelques jours. Je reviens le même soir. Et au retour, il est décédé. Donc, ça fait 7 mois depuis le début de l'année. Donc, je veux qu'on bénisse le Seigneur, qu'on rende grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et qu'on prenne le temps également de bénir le mois d'août. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On peut déclarer déjà ce qu'on veut voir accompli ce mois d'août. Seigneur, je bénis le mois d'août, je bénis ma famille. Donc, prions tous ensemble. Alléluia. Seigneur, je vais encore te rendre grâce. Je vais te rendre grâce, Seigneur, pour les 7 mois écoulés depuis 2021. Seigneur, merci. Si nous sommes en vie ici, ce n'est pas parce que nous sommes trop forts, mais nous voulons reconnaître que c'est ta grâce. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes là debout ce matin. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. C'est toi qui nous permet d'être en santé. C'est toi qui as veillé sur nous. C'est toi qui nous a protégés. C'est toi qui nous a gardés. Nous, nos familles et tout ce qui nous appartient. Alors, Seigneur, nous voulons prendre le temps et nous arrêter ce matin pour te dire merci. Merci, Papa, de tout cœur pour tout ce que tu as fait depuis le début du mois d'année. Et nous voulons te bénir, Seigneur, pour le mois d'août. Nous voulons bénir ce mois d'août. Nous déclarons que ta paix nous accompagne, ta joie nous accompagne, ta protection, nous et nos familles, Seigneur. Que ta protection est sur nous. Nous voulons déclarer que ta main est sur nous. Nous voulons déclarer qu'en ce mois d'août, Seigneur, nous prenons le temps de nous asseoir à tes pieds pour découvrir ta parole, pour aller en profondeur. Nous déclarons, Seigneur, un mois d'intimité, un mois où on va te découvrir, un mois où on va apprendre à te connaître, un mois où on va passer le temps dans la prière. Nous déclarons que c'est un mois où ta joie nous envahit, ta paix avec nous, où ta grâce nous accompagne, nous et nos familles, Seigneur. Nous déclarons que tu nous bénis, nous sommes bénis dans notre travail, bénis dans nos activités, que ton Église est bénie, c'est un mois de révélation, un mois de guérison. Tu nous utilises pour bénir les gens, pour encourager, pour édifier, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons bénir ce mois d'août qui commence et nous déclarons que ta paix, ta grâce, ta bénédiction nous accompagneront tout ce mois au nom de Jésus. Amen. Je vais faire un petit témoignage. Des choses qui sont arrivées dans ma vie et qui m'ont conduit là où je suis aujourd'hui. Et hier nuit, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, le Seigneur me rappelait ce témoignage de ma vie. Et tout à l'heure, j'étais assise. Et le Seigneur m'en parlait encore. Et j'ai comme, Seigneur, pourquoi tu m'en parles? Il dit, c'est parce qu'il faut que tu m'en parles. Bien-aimée, quand j'ai eu 13 ans, j'entendais un esprit qui me disait, tu veux prendre quelque chose là-bas, tu peux juste ordonner qu'il vienne. Et j'étais comme, non, je ne suis pas intéressée. Et ces esprits ont commencé par me torturer. Quand j'allais dormir, j'étais torturée. C'est comme s'ils m'arrachaient la chair. Parfois, j'allais dormir la nuit, et c'est comme quelqu'un qui avait une plume en main et qui me raclait la paume des pieds. Et j'ai fait ce combat pendant des années. Jusqu'au jour où quelqu'un a donné un livre à ma mère. Il a dit, j'ai lu ce livre, il est intéressant. Et ma mère a pris le livre. Elle a dit, moi je ne lis pas, mais ma fille lit beaucoup. En effet, je lisais parce que la nuit, je ne dormais pas. Je dormais 2 heures par jour. Quand elle est rentrée, elle a oublié. Et son sac est tombé, le livre est tombé. Je dis, maman, c'est quoi ça? Elle dit, oh, j'ai pris le livre pour toi. Et quand j'ai lu ce livre-là, le livre a parlé de la puissance du nom de Jésus. Et la prochaine fois, quand ces esprits m'ont approché, j'ai dit, au nom de Jésus, et ils ont fui. J'ai dit, au nom de Jésus, ils ont fui. Et je vais même vous décrire la scène telle que ça s'est passé. Ces esprits venaient
me chercher et m'enlevait. C'est-à-dire que, imaginez, quelque chose rentre en toi, te prend et tu te vois aller à une vitesse impossible. Et tu traverses, mais tu ne sais pas, dans ta tête, je suis humaine, je ne suis pas supposée traverser un mur, mais je traverse le mur et je me retrouve comme dans l'air. Et je pouvais aller très loin, c'est comme si quelqu'un te tirait et se baladait avec toi. Et ce jour-là, j'ai dit, Jésus, sauve-moi. Et ces esprits-là m'ont lâché. C'était comme si j'étais en altitude lâchée. Et en même temps, j'ai senti des ailes se déployer. J'ai entendu le bruit et j'ai senti la douceur. Et j'ai été déposée dans mon corps. Et je me suis assise et j'ai dit, Jésus, si tu es capable de faire ça, si tu es capable de faire ça, je vais te servir. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi je fais ce témoignage ce matin. Ce que je sais, c'est que ce Jésus est le même. Ce Jésus est le même et il a combattu des combats. Je ne sais pas, peut-être que tu vis des choses et tu ne peux le partager avec personne. Parce que ce n'est pas avec des hommes, ce n'est pas des hommes que tu affrontes. Ce n'est pas des situations qui font du sens que tu affrontes. Mais c'est pour te dire, j'ai affronté des choses, je ne peux pas tout partager. Mais ce que je sais, c'est que le nom de Jésus est capable de briser les chaînes. Le nom de Jésus est capable de délivrer. Père, je sais que ce n'est pas pour rien que tu m'as fait faire ce témoignage ce matin. Et je prie, Seigneur, que la personne pour qui, ou les personnes pour qui tu as ce témoignage, Seigneur, puissent expérimenter la puissance du nom de Jésus. Amen. Seigneur, je relâche dans la vie de ces personnes la puissance de ton nom, Seigneur, telle que je l'ai expérimentée dans le nom de Jésus. Et je te remercie d'avance parce que nous aurons des témoignages à ta gloire. Seigneur, nous aurons des témoignages à ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup, Mola, pour ce témoignage. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Et le nom de Jésus est grand. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est une réalité. Peu importe la bataille que vous menez, le nom de Jésus est assez puissant pour vous accorder la victoire. Vous n'avez qu'à crier à Jésus. Vous n'avez qu'à ordonner au nom de Jésus et les choses arrivent, les choses prennent vie. Donc nous bénissons le Seigneur également pour notre sœur Christiane et notre frère Célestin qui nous ont conduits dans la louange. C'était magnifique. Ça valait 18 mois d'attente pour vivre ça. Ok, donc bienvenue à ceux qui se joignent à nous aujourd'hui pour la première fois. Je ne sais pas si Cohen et Espérance ont des annonces. Espérance, tu peux venir si tu as des annonces. Elle n'a pas envie de venir, Espérance. Non. Elle n'a pas d'annonce à passer. Est-ce que Cohen, on a des choses à faire défiler? Ok. Alors, est-ce qu'on va prendre des offrandes ce matin, Marie Rose et Chantal? Excusez-moi. Est-ce qu'on va prendre des offrandes aujourd'hui? Non, ça n'existe pas les offrandes en papier en ce moment. Ok, d'accord. Yeah. Donc, de toute façon, je pense que si vous avez à cœur de donner, peut-être notre frère Cohen pourra mettre sur affiché en ligne là comment on fait pour donner, si c'est possible, disponible, sinon c'est pas grave non plus. Alors donc, aujourd'hui, c'est le premier jour du mois d'août, donc on est déjà rendu à un mois passé dans la deuxième partie de notre.
plus extraordinaire que j'ai fait de ma vie. Et je n'arrête pas de bénir ce jour-là où je me suis retourné et puis ça a changé ma vie. Donc, pour de... encore béni par de nouveau ici. Bonjour, je m'appelle Alice et je suis pour cela, je me souviens que c'est Dieu qui l'a fait. Je veux également rendre grâce à Dieu pour nous en famille. Le Seigneur nous a soutenus. À Ontario, les enfants ont terminé l'école à la maison. Donc, deux enfants qui sont sur l'ordi en train de travailler, les deux parents qui travaillent à plein temps dans la même maison, dans le même espace. Et Dieu merci, ces enfants sont encore en vie. Ils nous aiment toujours et Yves et moi, on est toujours mariés. Donc, je bénis le Seigneur pour cela. Je me souviens également durant la pandémie, parce que j'avais, avant que la pandémie commence, j'avais commencé un processus de changement d'emploi. Et quand la pandémie est arrivée, je me disais, est-ce que ça va marcher et tout, étant donné que beaucoup de gens perdent leur emploi et tout, qu'est-ce qui va arriver? Et je me suis souvenue d'une parole de Isaac, Genèse verset 26, chapitre 26, verset 1 dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. Et le verset 12 va dire, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Donc Isaac a semé dans une année de désert, il a récolté au centuple. Et le plus important, c'est car l'Éternel le bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait la différence. Et je me suis dit, Seigneur, même dans cette saison, tu peux me bénir. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Donc j'ai commencé un nouvel emploi durant la pandémie. Et jusqu'à présent, ça va très bien. Donc, je vais rendre grâce à Dieu pour ça. Je me souviens qu'il a fait, et comme on l'a lu dans Exode la semaine passée, qu'il disait, quand tu seras rassasié, que le terrain de l'Éternel ne te sera pas béni, ne dis pas que ce sont mes forces qui m'ont permis d'atterrir là, mais souviens-toi que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui t'a béni et qui t'a fait grâce. Et donc, ce matin, je me souviens et je prends ce temps pour rendre grâce à Dieu pour cela. Et je pense qu'on devrait avoir une séance d'action de grâce où
On va se rappeler de partager ensemble comment l'Éternel nous a bénis durant cette saison. Et je pense que ça va nous encourager. La Bible dit que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Quand on entend ce que Dieu a fait, ça encourage la foi et ça nous édifie. Donc, soyez bénis et n'hésitez pas à partager ces beaux témoignages à la gloire de Dieu, notre Père. Amen. Amen. Donc, je vous encourage à être détendu, soyez relax, parce que Dieu est de bonne humeur. Dieu se lève tout le matin de bonne humeur. Donc, vous aussi, soyez de bonne humeur, même s'il pleut dehors. Je vais entrer dans mon message tantôt pour le message de ce matin. Il est tiré de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1 à 12. J'ai un groupe à Québec, ça s'appelle Environnement de prière. On a l'habitude de lire la Bible tous les matins. Et quand on a commencé à lire le livre de 2 Corinthiens, je me disais, ah, je ne connais rien. Non. En fait, il y a des livres là que tu te dis, je ne connais aucun passage biblique qui me vient à la tête. Parce que si je vous dis Romains, tout de suite vous allez dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont entrés. Tout le monde sait que c'est dans Romains. Si je dis Philippiens, tout le monde sait que ne vous inquiétez de rien. Donc, il y a des livres comme ça où on sait vite c'est le verset. Mais dans 2 Corinthiens, j'étais comme, quel verset dans ma tête, c'est dans 2 Corinthiens. Je me souvenais plus et je me suis dit, vraiment, je vais méditer ce livre en profondeur pour savoir qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, qu'est-ce qu'il ressort de 2 Corinthiens, c'est quoi les versets, c'est quoi la parole sur laquelle je peux m'appuyer quand je lis le livre de 2 Corinthiens. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai entrepris la méditation. Et vous allez voir que ce matin, je vais vous partager une de mes méditations en partageant ensemble. Alors, quand je priais, je disais, Seigneur, de quoi je veux-tu que je parle? Qu'est-ce que je peux parler à ton peuple? Et alors que je méditais, j'ai été bénie par ma méditation. J'ai dit, tiens, je vais vous partager ma méditation. On va méditer tous ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 1, du verset 1 à 11. Je vais lire dans la version Semeur. Mes lunettes sont pour lire de loin et pas de près. Donc, quand je mets ça de loin, je vois rien. Donc, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, salue l'Église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi que tous ceux qui appartiennent à Dieu dans la Caïe entière. Verset 2, que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ le Seigneur. Verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Verset 5. De même, en effet, que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, surabondent le réconfort qu'il nous donne. Si donc, nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez vous aussi du réconfort afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Il faut en effet que vous sachiez, frères, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés, à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Verset 9. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. Verset 10. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui qui nous délivrera encore. Et vous y contribuez en priant pour nous. Ainsi, la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières de beaucoup sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Amen. Je vais prendre le temps de prier. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité. Et je prie que tu nous bénisses ce matin. Parle à nos cœurs. Enseigne-nous.
Donne-nous, Seigneur, de repartir d'ici avec une parole de toi qui va nous encourager, qui va nous faire du bien. Merci de parler au travers de moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, tantôt nos chants que... non, moi je vais m'attendre parce que je vous vois plus bien. Vous avez l'air flou. Donc, tantôt nos chants que Christiane a chanté, disait, je veux m'asseoir à tes pieds. Parfois, on lit un texte comme ça, ça ne nous dit rien, on ne reçoit rien. Mais si on s'assoit, on se met à décortiquer, on se met à lire doucement. Mes enfants n'aiment pas quand je leur fais lire un texte biblique deux fois. Ils disent, oh maman, on a déjà... Je dis, non, c'est pour comprendre. La première fois, on lit vite. La deuxième fois, on s'arrête sur les mots. Et donc, quand on s'arrête sur ce texte, on se rend compte qu'il est bénissant. Je vais commencer par le verset 2, moi qui m'a béni. Il dit, que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ le Seigneur. Et je me suis rendu compte que dans la plupart des épîtres de l'apôtre, il parle toujours de la paix. Il dit toujours, que soit il commence les salutations par ça, soit il les termine. Il parle toujours que la grâce et la paix vous soient données. Que la grâce et la paix vous soient données. Et ce n'est pas anodin, ça veut dire que c'est important. C'est important de vivre chaque jour dans la grâce et la paix. Et on sait que la grâce et la paix de Dieu sont disponibles. Pour ce qui est de la grâce, de la paix, Jésus va dire dans Jean 14, verset, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. » Et parlant de la grâce, dans 1 Pierre 2, 10, il est écrit, « Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de la grâce de Dieu. » Ça veut dire que la grâce de Dieu est disponible. Elle est disponible, elle est pour nous. Et la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu envers ceux qui méritent le jugement. J'ai lu ce passage qui disait, ce texte qui disait, par la grâce, l'amour de Dieu se penche favorablement vers nous. Il nous tend la main pour nous tirer vers lui. La grâce de Dieu ne se mérite ni par nos efforts, ni par nos bonnes œuvres, et encore moins par nos bonnes résolutions. Il s'agit d'un don de Dieu qui nous a été fait au travers de Jésus-Christ. Ainsi, nous ne pourrons pas recevoir la grâce sans recevoir Jésus, et nous ne pouvons pas non plus recevoir Jésus sans recevoir la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu est là, elle est disponible, elle est pour nous, et nous pouvons la demander. Et le fait que l'apôtre, pour chaque fois, il dit que la grâce de Dieu soit avec vous, que la grâce et la paix, je pense que c'est quelque chose qu'on peut adopter dans nos prières. Chaque matin, comme tantôt je priais, Seigneur, que ta grâce et ta paix m'accompagnent. Que ta grâce et ta paix demain. J'ai l'impression que c'est tellement important que ta grâce et ta paix m'accompagnent toute la journée. Seigneur, bénis ma maison, que ta grâce et ta paix. Depuis, en tout cas, moi, depuis que j'ai lu ça, je vous assure que plusieurs, chaque matin, peut-être je prie pour demander que la grâce et la paix demain dans ma maison, dans mon cœur, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, que la grâce de Dieu et la paix. Alors, si un matin vous vous levez, vous dites, oh, j'ai envie de prier pour Alice, priez pour moi, mais je ne sais pas quoi prier. Dites, Seigneur, que la grâce et la paix demeurent dans sa vie. Pour moi, c'est suffisant, c'est vraiment important. Et quand j'ai regardé dans la version anglaise, il décrivait la paix là comme un calme intérieur. Un calme intérieur, un bien-être spirituel. C'est comme ça que dans la version Amplified, en anglais, il définissait cette paix-là, vraiment ce calme intérieur. Donc, on peut prier pour ça, vraiment, de recevoir ce calme et cette paix qui nous permet de voir les choses d'une autre perspective, de voir les choses, quel que soit le chaos. Seigneur, que ta grâce et ta paix demeurent dans mon cœur. Amen. On continue notre méditation. Au verset 3, j'ai aussi aimé le verset 3 qui dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. » Et je me suis arrêtée sur le Père qui est plein de bonté. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la bonté de Dieu, c'est vraiment un des fondements de ma foi. C'est-à-dire que quand les choses dérapent, les choses arrivent, des événements que je n'ai pas compris, et tout arrive, tout chamboule de partout. Pour moi, le fait de savoir que Dieu est bon. Et je me dis, Seigneur, tu es bon, tu sais ce que tu fais. Je ne comprends pas. Mais le fait de savoir que Dieu est bon,
ça me permet que Seigneur, okay, je sais que tu es bon. Je sais que même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais à cause de ta bonté, je peux m'appuyer, je peux continuer, je peux avancer. Donc ça doit faire partie. Et les gens vont souvent dire, ah, si Dieu est bon, pourquoi tel enfant est mort? Pourquoi tel est fait ceci? Pourquoi il y a la guerre? Comme si c'est Dieu qui avait créé les âmes. Pourquoi il y a ceci? Donc les gens m'ont toujours demandé si Dieu était bon, pourquoi? Mais on va lire dans Exode 34, verset 5 à 6. C'est Dieu qui se présente à Moïse. Moïse demande à Dieu son nom et il donne son nom. Au verset 5, il va dire, l'Éternel descendit dans la nuée, il se tint près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant, l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour, en bonté et en fidélité. Dans certaines versions, on dit, et riche, plein de bonté. Et c'est comme ça que Dieu se présente. Il dit, je m'appelle plein de bonté, je m'appelle plein de compassion, je m'appelle lent à se mettre en colère, je m'appelle riche en amour et en fidélité. C'est ça son nom. Ça veut dire que c'est qui il est, c'est sa personne. Ça n'a rien à voir avec ma circonstance. Dieu est bon. Que ce soit bon, que mes circonstances changent ou pas, c'est sa nature à lui, c'est sa bonté. Dieu est bon. Et donc, je nous encourage vraiment à nous appuyer, à nous rappeler, quelle que soit la situation, Seigneur, même si je ne comprends pas, mais je sais que tu es bon, parce que c'est sa nature, ça fait partie de qui il est. Et dans la suite du verset, il va dire, le Dieu qui réconforte, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations, je vais continuer un peu la lecture, il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que, qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Au verset 7, il va dire, nous possédons à votre sujet une ferme espérance, car nous savons que si vous n'avez pas aux souffrances, vous n'avez aussi pas au réconfort. Et j'ai cherché la définition de réconforter. Le réconforter veut dire rendre à quelqu'un ses forces, de la vigueur. Réconforter veut dire aider quelqu'un à supporter une épreuve en lui donnant une raison d'espérer. Et le verset 7 ici dit, si vous n'avez pas aux souffrances, vous n'avez aussi pas au réconfort. C'est comme si c'est automatique. Aussitôt que la souffrance est là, le réconfort de Dieu est là. Dieu est là pour nous aider à supporter, à passer par l'épreuve, en nous donnant une raison d'espérer. Et moi, en tout cas, moi, ça m'a réjoui de savoir que les épreuves qui nous arrivent, ça ne surprend pas Dieu. L'épreuve arrive, mais le réconfort, Dieu nous garantit de son réconfort. Que si vous passez par les situations, je suis là, le réconfort est là. Mais la question est-ce qu'on accepte le réconfort de Dieu? Je connais, il y a une amie qui me parlait de sa cousine, sa mère est décédée, ça va bientôt faire 2 ans, mais elle pleure toujours, elle est toujours assise dans la même situation, elle est toujours en train de, elle n'avance pas, ça l'a comme paralysée, et on m'a même parlé, on parlait avec une soeur en crise, on se rappelait d'un frère, sa femme est décédée après le décès de son frère, parce qu'elle n'a pas pu supporter ça, cette douleur, elle n'a pas accepter de se laisser réconforter. Pourtant, elle est chrétienne, elle est décédée. Ça a créé d'autres maladies avec. Et moi-même, je me souviens, quand j'avais perdu ma mère, j'avais tellement mal. Et à un moment, le Seigneur m'a dit, ok, Alice, t'as assez pleuré. Il est temps que tu te lèves, que tu passes à autre chose. Parce que si tu tombes dans le désespoir, c'est comme si Dieu n'existe pas. Parce que si tu tombes dans le désespoir, et l'apôtre Paul va le dire, il va le dire dans 2 Corinthiens 4, verset 8, il va l'écrire, ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Ça veut dire que oui, ces choses vont arriver. Oui, la détresse va arriver. Oui, je serai désemparé, mais non désespéré. Je ne tombe pas dans le désespoir. Je vais être persécuté, mais non abandonné. Dieu va être là. Je vais être terrassé, mais non pas anéanti, parce que Dieu est là. Donc, toutes ces choses qui arrivent, et donc je veux vous encourager ce matin. Peut-être que vous avez traversé des moments difficiles dans votre vie, que ce soit
une perte d'argent, ou bien quelqu'un qui vous a fait du mal, ou bien vous êtes passé par un divorce ou une séparation, ou vous avez vécu des moments difficiles. C'est comme si il y a un temps pour tout. Un moment, il faut arrêter et espérer et regarder de l'avant. C'est comme si le Seigneur dit, je t'ai réconforté, accepte mon réconfort et avance. T'sais, Dieu ne va pas, les épreuves ne vont pas disparaître, on aura toujours les épreuves et tout, mais Dieu nous assure de ce réconfort et acceptons ce réconfort. Et pour moi, je pense que la différence avec les chrétiens, quand tu vois deux chrétiens, la différence, c'est si on croit. Parce que quand Dieu dit, je vous donne le réconfort, si tu crois, ça produit des effets. Si tu ne crois pas, il n'y a pas d'effet. Donc, et Dieu ne peut pas venir te forcer à accepter ce réconfort. Non, il a déjà dit, il a dit que je suis là. Si tu ne sens pas, Seigneur, viens me réconforter dans cette situation. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Viens me réconforter. Et le Seigneur va nous réconforter. Donc, Dieu est là pour nous aider à supporter les détresses, à traverser tout. Donc, que ce soit en ce moment, si vous traversez une situation de détresse, ou bien que plus tard, si jamais ça arrive, ça, souvenez-vous que le réconfort de Dieu est là, qu'il est disponible. Et réconforter, comme je l'ai dit, c'est aider quelqu'un à supporter une épreuve, en lui donnant raison d'espérer. Moi, ce que j'aime le plus souvent quand je suis dans les moments difficiles, je dis, Seigneur, donne-moi une parole sur laquelle m'accrocher, quelque chose qui va me permettre de traverser. Parce que quand on a une parole et qu'on vit une situation, quand on a une parole sur laquelle on peut s'accrocher, ça nous permet d'avancer. Comme je vous ai parlé du cas de mon oncle la dernière fois, c'est tantôt là quand je parlais de mon oncle, ça m'a tellement bouleversée parce que mon oncle, nous étions tellement proches. C'était pas le genre d'oncle que tu salues une fois par année. Non, lui et moi, on parlait tout le temps, on était très proches, on niaisait. C'était vraiment un ami. Puis il avait été 65 ans. Lui, et je me souviens la dernière fois, je lui avais parlé, il me dit, oh, je dois enterrer tel, il y a trop de deux. Je lui ai dit, oh, tonton, toi aussi, repose-toi. Et puis, c'était vraiment ça, une de mes dernières paroles. Alors, quand il est décédé subitement, j'ai eu tellement mal, j'ai dit, Seigneur, mais je ne t'ai même pas préparé. Et je lui ai dit, Seigneur, donne-moi une parole, quelque chose sur laquelle je peux m'accrocher. Et un matin, j'étais en train de courir et dans mon cœur, j'ai senti, parce que je me demandais est-ce que mon oncle est sauvé, est-ce que mon oncle et tout. Et puis dans mon cœur, j'ai eu cette parole qui me disait, est-ce que tu as prié pour ton oncle, pour son salut? J'ai dit oui, j'ai prié souvent pour mon oncle. Il m'a dit ok, je t'ai exaucé. Et donc, à cause de ça, ça m'a donné la paix dans mon cœur. Ça a permis que maintenant je puisse traverser mon deuil tranquillement. Donc, c'est important pour nous, quand nous vivons des moments difficiles, demander au Seigneur une parole sur laquelle nous accrocher. Il y a un autre témoignage aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est celui de ma belle-mère, la maman de Yves. Ma belle-mère est venue ici en 2017, voilà. On l'a fait venir ici en 2017 pour se reposer du deuil, parce que Yves avait perdu sa petite soeur 3 ans, 4 ans plus tôt. Elle vivait en Tunisie, elle est allée pour ses études, elle avait fini ses études, elle était sur le point de rentrer. Et c'est nous qui lui avons dit que non, il faut que tu prennes ton diplôme avant de partir. On voulait qu'elle rentre avec son diplôme, parce qu'elle disait qu'on pouvait le lui en rendre. On dit non, vaut mieux que tu attendes son diplôme. Alors qu'elle attendait son diplôme, elle a eu une crise d'asthme, elle est décédée comme ça. Et ça a été vraiment un coup dur pour toute la famille et particulièrement pour ma belle-mère de perdre sa fille. Et alors qu'elle était ici et qu'elle s'apprêtait déjà à rentrer, on nous apprend que l'autre soeur de Yves a un cancer du sein. Et moi, je trouvais ça vraiment difficile. Et pendant tout le temps de sa maladie, on priait, je disais, Seigneur, s'il te plaît, elle ne pourra pas supporter cette épreuve. Je trouvais que s'il lui arrivait quelque chose, ça allait être trop dur. J'étais tellement inquiète pour elle, j'étais tellement inquiète. Chaque fois que je priais, je disais, Seigneur, pardon, accorde-lui 5 ans. Ça va être très dur pour elle de perdre 2 enfants en moins de 5 ans. Et vous savez quoi? Estelle est décédée. Mais ce qui est arrivé, c'est que ma belle-mère m'a appelée. Elle me dit, écoute ce qui m'est arrivé. 3 jours avant que Estelle me décède, un beau jour, j'étais en train de lire ma Bible. J'ai ouvert le livre de Ruth. Elle dit que je n'ai jamais su que Ruth existait dans la Bible. Elle a lu tout le livre de Ruth. Et à la fin de la lecture de Ruth, c'est ça qu'on appelle un rhéma, parce que la parole est là, c'est pour tout le monde, tous on peut la lire, mais il y a un verset qui va venir te chercher en profondeur. Et alors qu'elle lisait le livre de Ruth, il y a une parole qui est sortie, c'est-à-dire qu'elle a fini, elle s'est dit, Naomi, cette femme qui a perdu ses 2 enfants et son mari, dès les sorties des rois.
le roi David sort de Naomi, parce que Naomi, c'est la grand-mère, l'arrière-grand-mère, parce qu'il y a Obed, ensuite il y a David et tout. Donc elle s'est dit que si de cette femme qui a perdu ses deux enfants sort des rois, ça veut dire que même si je perds mes deux, Esther, sa fille n'était pas encore décédée, même si je perds mes deux enfants, Dieu me dit qu'il y a de l'espérance. Elle dit que c'était, ça a été clair, c'est une parole qui s'est imposée, ce qui fait que quand Esther est décédée, moi j'étais là, oh mon Dieu, je priais. Et quand elle m'a dit ça, oh, ça m'a tellement béni, ça m'a tellement béni, ça veut dire que Dieu l'avait reconfortée avant que ça arrive, avant que l'épreuve arrive. Dieu lui avait donné une parole, elle a cru à cette parole, parce qu'elle aurait pu dire, oh, c'est juste ma lecture. Non, elle a cru à cette parole et c'est arrivé. Et quand Esther est décédée, ma mère était tellement forte, je vous assure que je me réjouissais de la voir si forte. Elle était tellement forte, quand je l'appelais, quand même, elle me dit, non, ça va et tout. Elle est passée au travers, Dieu lui a donné la force. Elle a cette assurance que Dieu peut encore faire quelque chose dans sa famille et tout. Donc, c'était une parole et en tout cas, je vous assure que j'étais tellement en joie, je bénissais Dieu de ce qu'il est bon parce que Dieu l'a réconforté avant que l'épreuve arrive. Donc dans les moments difficiles, on peut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi une parole sur laquelle m'accrocher, une parole qui me fait passer au travers, une parole et tout, et plus croyant à cette parole-là. Et donc, vraiment, j'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait. Et je vais continuer. Je vais continuer au verset, je vais sauter jusqu'au verset 10. Parce que tout, à partir du verset 3 là, jusqu'au verset 10, il parle toujours du réconfort, de comment Dieu nous réconforte dans toutes nos détresses. Et c'est écrit, afin que nous soyons ceux qui passent par toutes sortes de détresses. Les détresses ici ne sont pas listées, c'est-à-dire toutes sortes de détresses, que ce soit émotionnelles, physiques, financières, spirituelles, toutes sortes de détresses. Le réconfort de Dieu est là. On peut demander à Dieu une parole et il va nous donner la parole. Et au verset 10, il va dire, c'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui qui nous délivrera encore. Verset 11, et vous y contribuez en priant pour nous. Ainsi, la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières de beaucoup sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Ah, moi, quand j'ai lu ce verset 11-là, j'étais contente. Et vous savez, si vous m'avez toujours entendu parler, que je parle toujours de la prière, comment il faut prier les uns pour les autres et tout. Et donc, il va dire, vous y avez contribué en priant. C'est-à-dire que vous avez contribué à ce que le réconfort de Dieu, tout ce que Dieu a pour nous, ça s'élève dans nos vies. Vous avez contribué par vos prières. Et donc, moi, tout ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que si j'apprends que mon frère passe par la détresse, quand on fait face à des moments de souffrance, prie pour lui. Contribue, c'est-à-dire en priant pour lui, Seigneur, je prie pour ce frère, en priant pour lui, tu contribues à ce que le réconfort de Dieu s'élève dans sa vie, que la grâce de Dieu vienne dans sa vie. Donc vraiment, c'est quand on apprend que quelqu'un vient souffrant, au-delà des cris, vraiment que le Seigneur s'est avec toi, prions pour cette personne. Prions, c'est si tu apprends qu'un frère vit dans des moments difficiles ou a perdu ceci, prie pour cette personne, Seigneur, je prie que tu la réconfortes, je prie que tu tends ta main. Et en priant les uns pour les autres comme ça, ça accélère le réconfort de Dieu dans la vie de la personne, ça accélère la grâce de Dieu et tout. Donc je nous encourage, comme je dis, je nous encourage toujours à prier les uns pour les autres. Si vous êtes au courant d'une situation, ou si vous avez lu, ou bien si vous y pensez, prier pour cette personne, afin que le Seigneur nous réconforte cette personne. Et on est vraiment, on est une famille, on est une famille pour prier les uns pour les autres. Donc, c'était ça, ma méditation. J'espère que vous avez été bénis par ça, et que ça vous donnera peut-être envie de lire, de creuser le livre de Corinthiens. Il est très profond. Et il y a toute une autre grosse section qui est sur l'argent, toutes les finances et tout. C'est là où maintenant je me souviens que je connais quand même 2 Corinthiens 9, 8, voilà, où il parle de l'abondance financière. Donc, c'était ça. Et on va prier ce matin. Je vais nous demander, on va prier. Je ne sais pas si Christiane ou l'équipe de Londres peut venir chanter. On va prier. Si vous connaissez des gens qui traversent des moments difficiles, qui passent par la souffrance, je voudrais qu'on prie pour eux ce matin. Vous allez prier pour eux, demander à Dieu de pouvoir les réconforter, demander à Dieu de pouvoir les soutenir. Et demander au Seigneur d'être près d'eux. Et si vous-même vous vivez par ces moments, prions pour le réconfort de Dieu. Si vous avez traversé une situation
sur laquelle vous n'arrivez pas, de laquelle vous n'arrivez pas à vous lever, vous pouvez juste dire, Seigneur, j'accepte ton réconfort, donne-moi ton confort ce matin. Je reçois, Seigneur, merci parce que tu es là pour m'aider à supporter tout. Donc, alléluia. On peut se mettre debout et ensemble. Des noms en tête des personnes qui vivent des situations, priez pour elles maintenant. Vous pouvez mentionner leur nom. Seigneur, je te prie pour telle. Seigneur, je te prie pour telle. Alléluia. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, avec mon ami Kelly. Seigneur, je prie pour ta grâce, je prie pour ton confort. Seigneur, je prie que tu m'assistes, Seigneur, au confort de l'amour. Oh Seigneur, je te prie pour ma prière. Je prie que tu m'aides. Seigneur, merci parce que ta parole est vraie. Merci parce que dans toutes nos épreuves, tu es là. Seigneur, donne-nous de nous appuyer sur toi. Donne-nous d'être ceux qui prions pour les uns les autres. Oh Seigneur, nous te bénissons. Donne-nous grâce. Alléluia à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Merci parce que tu es là, Seigneur. Je veux te prier nous ce matin pour tous mes frères et ceux qui traversent par des moments difficiles. Seigneur, merci pour ton reconfort. Viens les réconforter, viens les fortifier. Seigneur, merci parce que tu es là. Oh Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Seigneur, qu'on puisse te faire confiance, quelles que soient les situations. Qu'on puisse compter sur ta bonté, Seigneur. Qu'on puisse croire en ta bonté. Merci, Seigneur. Que ta bonté nous fasse du bien, Seigneur. Viens aider, Seigneur, tous nos frères, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, pour réconforter les autres, pour apporter de l'espoir,
parce que tu es ce Dieu là qui donne l'espoir. Seigneur, tant que tu vis, il y a de l'espoir parce que l'espoir fait partie des trois choses qui vont rester. Et tu es le Dieu de l'espoir. Et je te bénis, Seigneur, pour l'espoir que tu donnes dans chacune de nos vies. Bien-aimé, le réconfort vient avec l'espoir. Remercions le Seigneur parce que peu importe ce par quoi nous passons, peu importe nos combats, parce qu'il est vivant, parce qu'il règne, parce qu'il s'élèvera le dernier, il y a de l'espoir. Bénis le Seigneur pour la victoire. Bénis le Seigneur pour la grâce. Bénis-le parce que sa victoire est là. Et bénis-le parce que sa victoire est réelle. Bénis-le parce que sa victoire, elle est à ta portée. Tu ne la vois peut-être pas, mais elle est là. Alléluia. Merci Jésus pour la victoire. Merci Jésus pour la grâce. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je veux aussi, Seigneur, te bénir pour notre sœur Nicole qui prendra sa deuxième dose de vaccin aujourd'hui. Elle a été embêtée lors de la première dose. Mais Seigneur, nous la bénissons au nom de Jésus. Et tout va bien se passer pour elle. Au nom de Jésus, Seigneur. Elle ne sera pas embêtée et elle sera en pleine forme, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on arrive au thème de notre rencontre d'aujourd'hui. Merci à celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Le Seigneur l'utilise toujours avec puissance. Amen. Ok, donc... si vous avez une minute, donnez un coup de main, s'il vous plaît, pour arranger. Il n'y a pas grand chose à arranger, mais c'est les choses de valeur, on les enlève et on les met dans la pièce à côté. Peut-être que vous êtes déjà habitué. Si vous avez également une minute, prenez le temps d'aller voir quelqu'un à un mètre de distance avec un masque et prenez de ses nouvelles. Et s'il le faut, priez pour vous encourager les uns les autres. Amen. Soyez abondamment bénis et que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette semaine.